Alliance Mieux-Être, c'est l'association finistérienne des praticiens en thérapie complémentaire et en technique de santé nouvelle. Une quinzaine de thérapeutes aux spécialités différentes nous proposent conférences et ateliers. On nous délivre des outils pour cultiver le bien-être au quotidien. L'association Alliance Mieux-Être a été créée en 2010. L'objectif visé par les thérapeutes, diffuser une information claire et sérieuse sur les thérapies complémentaires. Les thérapies complémentaires, ce sont des thérapies, quand on va bien, c'est pour maintenir son état de bien-être. Et quand malheureusement on rencontre des difficultés dans sa vie, ça peut être des difficultés physiques ou des difficultés psychologiques, eh bien on a besoin de trouver des gens pour nous accompagner. Alors ça peut être en parallèle de la médecine classique, c'est pour ça que ça s'appelle complémentaire à la médecine classique. Voilà, et on va faire des démarches auprès d'un thérapeute pour progresser, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre vie et ce qui nous arrive. Salon, conférence, café mieux-être ou atelier découverte, des actions différentes pour aborder des thématiques multiples, comme par exemple la gestion des émotions. Réunis lors d'un café mieux-être, les adhérents cherchent ici à apprendre comment apprivoiser leurs peurs. Au départ, je vais un peu exposer ce qu'on entend par peur, ce qu'est une émotion, de quelle manière ça fonctionne au niveau même de notre biologie. Et puis ensuite, je vais proposer aux participants quelques expérimentations. L'objectif, c'est peut-être vaincre sa peur, c'est surtout l'apprivoiser, c'est la transformer, plutôt que d'en faire quelque chose qu'on évite et qu'on n'invite pas, justement, de la transformer pour qu'elle puisse être un moteur et nous accompagner. Je suis contente de voir que... on peut parler de ses émotions, que chacun a différentes façons de les traverser. Je repars avec plein d'idées et puis confortée dans ma façon d'affronter mes peurs dans la vie et j'ai envie de continuer comme je le fais. Parmi les techniques nouvelles de santé, l'association propose des ateliers amélioration de l'habitat via la géobiologie. La géobiologie, c'est une science très ancienne et aujourd'hui elle s'est modernisée, elle comporte plusieurs parties pour faire simple. On va dire une compréhension qu'il y a des phénomènes qui viennent du sous-sol qui peuvent poser problème pour la santé humaine. De l'eau qui passe sous une maison par exemple, certains réseaux dits géomagnétiques qui sont perturbés, des phénomènes qui ont des noms un peu plus barbares, voilà, on détecte tout ça, on fait des plans, et il y a aujourd'hui tout l'aspect des ondes modernes qui posent problème pour une catégorie de la population. On a des mesureurs électroniques, on sait détecter, on sait donner des conseils, et on sait après prendre des décisions pour que les gens se placent mieux, par exemple un placement de lit dans une chambre, le sommeil est très très important, et donc on apprend aux personnes à se placer beaucoup mieux dans leur maison et on a beaucoup de résultats grâce à ça. Ça a une incidence pour certaines personnes. On n'est pas tous égaux. Dans la vie, on n'est pas tous égaux devant les maladies non plus, etc. Des gens sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Simple curiosité ou réelle envie d'améliorer son bien-être, les thérapeutes bénévoles répondent aux besoins grandissants des gens qui se préoccupent de leur qualité de vie. Alliance Mieux-Être développe des collaborations avec d'autres associations afin de parler au plus grand nombre.